Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, là je suis avec le cousin. On était en train de faire un truc dans la cachette gaming parce qu'on va bientôt faire le 24h avec Lily Rose. Donc on est en train de lui préparer tout ce qu'il y a à manger et tout. Et là regardez, il y a Peppa Pink, enfin je pense que c'est Peppa Pink. Perdu la tête. Non mais il a perdu la tête. Et regardez, il se met là, on dirait qu'il est en mode chevalier. Et depuis tout à l'heure il frappe sur l'étendoir à linge. Du coup là j'ai appelé Lily Rose pour qu'elle vienne voir ça, mais elle me dit non, je veux pas venir, tu racontes des bêtises encore. Sauf que là, bah, faut l'aider parce que ça peut pas durer comme ça longtemps, quoi. Ça tombe, il va falloir appeler l'hôpital parce qu'il est devenu totalement fou. Aide-moi, hein, parce que si s'il se met à nous charger là, j'ai pas envie de me retrouver avec un coup de frite sur la tête. Hein. J'ouvre ou... Mais non, mais c'est ouvert en plus. C'est ouvert. Peppa Pink! Ne rentrez pas, il y a le monstre qui va vous manger. Qu'est-ce que tu racontes? Ne bougez pas, ne vous approchez pas! Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de monstre en fait. Il n'y a pas de monstre. Dragon, voilà. Mais c'est l'étendoir à linge. Non, mais attention, t'approches pas, Esteban. Oui, t'inquiète pas, je m'accroche. T'as vu la sorcière? Comment ça, t'as vu la sorcière, toi? Non, je l'ai pas vu. Mais pourquoi tout à l'heure, elle m'a donné une potion, là. Et puis après, elle m'a dit d'aller défendre Lily Rose du fameux dragon qui était ici. De quoi, le fameux dragon? Mais c'est pas un dragon, mais c'est. Mais. Ah! Vite. Oh là, non, viens par ici, au sous-sol, viens ici. Mais le cousin, il va pas résister là, lui qui vient d'une maison tranquille. Attends, vite, rentre avec moi, vite. Garde les clés, ils sont où? Faut fermer la clé. Ah non mais là, c'est officiel, il est devenu totalement fou. Vas-y, ferme la clé. Là, c'est officiel, il est totalement fou. C'est pas possible. Bon, les amis, comme vous avez pu le voir, il est en train de combattre un dragon imaginaire, un monstre imaginaire. Et le problème, c'est que je pense que si on l'empêche de faire ça, c'est nous qui va poursuivre. Bah, à mon avis, il va nous prendre pour un dragon aussi, ou je sais pas quoi. Ah ouais, non, mais là, il a parlé de la source. Il est derrière. Juste. Il est derrière. Bon, les amis, non, ouvre pas. Il a parlé de la sorcière. À mon avis, c'est la sorcière qui lui a jeté un sort ou qui lui a fait boire une potion. Et du coup, il doit être comme ça. Mais j'espère que ça va pas durer longtemps parce que on a plein de choses à faire ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, il faut que j'aille voir la sorcière pour avoir le remède. Vas-y, on ouvre et on se cache derrière la porte. Allez, vas-y, ouvre. Où ils sont ces gnomes? Ah, vous êtes là! Ah non, on est pas là! Non! Alors, qui êtes-vous? Laissez-nous, le chevalier! Je dois sauver Lily Rose, des monstres! Ah oui, le monstre est en haut, je pense! Je suis le chevalier de la licorne et je dois sauver Lily Rose! Elle est où d'ailleurs, cette Lily Rose? Et toi, ne bouge pas! Oh là là! Non! Reste ici, toi! Non! Mais viens! Viens ici, reste! Et la porte! C'est bon, vas-y, tiens la porte, j'ai pas réussi à trouver la clé. Sorcière, t'es où? La sorcière. Elle a laissé toutes ses affaires ici. Comme par hasard. Non mais tiens la porte. C'est comme par hasard. Quand on a un problème, qu'elle est pas là. Bon, en tout cas les amis, si la sorcière est pas là, on va pas réussir à le refaire devenir normal. Il y a pas un truc qui traîne là? Il y a le grimoire. Ah, la lumière. Oh non. Bon les amis, désolé, là c'est pas moi qui éteins, mais il y a aucune potion dans ce truc-là. Bon. Ah, on a réussi à rentrer. Ah, dedans, il reste un peu de potion. Ah, chevalier. Ah, tu cherches Lily Rose? Oui. Eh bah, pour la trouver, il faut que tu boives cette potion. Bah, c'est la même que celle que m'a donnée la sorcière. Oui, c'est la sorcière qui m'envoie, tu dois boire cette potion. Tiens-moi ma lance magique. Oui, tiens, prends la lance. Va la mettre. Tu es sûr? Comment tu t'appelles? Ouais. Est-ce que je peux avoir confiance en toi? Oui, je suis Esteban. Esteban? Esteban de Carlos, le saint chevalier. Vous êtes chevalier? De Lille, oui. Et toi, t'es qui? T'es chevalier aussi? Chevalier de Lille aussi, oui. D'accord, ok. Et je dois boire ça? Oui, allez. C'est la sorcière qui m'envoie. Ça sent pas très bon, enfin. Oui. Et je vais trouver Lily Rose alors? Oui, attendez, même. Regardez, on va rajouter une chauve-souris et quelques pièces. Voilà, hop, voilà. Oh là là. Bon. Je remets mon casque. Oui. Franchement, hey, bizarre, ça. Oui, l'épée, donne-lui. Ah, oui, bah, son épée, on s'en fiche de son épée. Bon, j'espère qu'il va redevenir normal.
On va le laisser un petit peu comme ça tout seul. Parce que j'ai pas envie de vous montrer une transformation, les amis. Parce que des fois, les gens se mettent à faire n'importe quoi. C'est dangereux. En tout cas, j'espère que je lui ai donné la bonne potion. Il n'y en avait qu'une sur la table. Bon. Peppa Pink ? Peppa Pink ? Ça va ? Ah ! T'es là ? Ah ! Ah, bon, on a... Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Pourquoi j'ai... Qu'est-ce que je fais avec ça ? Bah je sais pas, t'as voulu te déguiser je pense. Bah non, écoute Esteban, je suis dehors. Oh, c'est peut-être la sorcière qui t'a jeté un sort, tu t'es réveillé en étant déguisé. Attends, elle est là, on va aller la voir, non ? Ouais, non mais c'est pas la peine. Bon, attends, c'est ridicule là comme ça. Ouais, mais je viens de faire une vidéo là, tu peux dire au revoir aux abonnés ? Bon bah écoutez, au revoir, j'espère que vous allez me dire ce qui s'est passé parce que là j'ai l'air ridicule. Hein. Oh, ouais, mais ils ont rien vu je pense. Bon écoutez, allez, les amis, chauves-souris, cliquez sur la vidéo qui apparaît juste ici, cliquez sur la vidéo qui apparaît là et on se dit à la prochaine. Sortir, hein. Allez, ciao. À la prochaine. Ah, tiens, tiens.